Mathieu Delorme aurait porté plainte après des insultes homophobes. Selon Closé, Mathieu Delorme, chroniqueur de Touche pas à mon poste, aurait été victime de propos homophobes en fin de semaine dernière et aurait déposé une plainte contre son auteur, ce lundi 19 février. Les fanzous de Cyril Hanouna le savent bien, Mathieu Delorme assume qui il est et ce qu'il pensait est prêt à ferrailler pour se faire respecter. Selon nos confrères de Closé, le chroniqueur de Touche pas à mon poste, sur Cellite, aurait ainsi poussé la porte d'un commissariat du 16e arrondissement de Paris, ce lundi 19 février dans la soirée, pour déposer plainte. Motif, un chauffeur de taxi aurait tenu à son égard des propos homophobes. Toujours selon Closé, les faits incriminés se seraient déroulés vendredi 16 février, en milieu de journée, rue de Rivoli, en plein centre de la capitale. Pour confirmer l'information et tenter d'en savoir plus sur les propos en question, nous avons contacté Mathieu Delorme, mais il n'a pas donné suite. Membre de l'équipe de TPMP depuis la rentrée 2015, Mathieu Delorme n'y a jamais caché son homosexualité depuis ce jour où, interrogé sur ses préférences, il avait répondu être attiré par les jolies personnes, qu'elles soient féminines ou masculines. En mai dernier, après le canular de Radio Baba où Cyril Hanouna avait piégé en direct un homosexuel répondant à une fausse petite annonce, il n'avait pas non plus caché sa gêne, se mettant en congé de l'émission pendant plusieurs semaines.